récupérée par les lions de l'Atlas ou les Taïfa Stars. Je vais regarder. Voilà. Bonne occasion donc pour les lions donc de l'Atlas. Voilà, à l'écran, on voit de jolis supporters, de jolies supportrices donc du Maroc. Le match donc est terminé, les amis. Donc je rappelle le score, hein, large donc domination des Lions de l'Atlas. Donc 3 buts. Le premier but de Romain Saïs à la 30e minute. Ounahi 77e. Donc En Nesri à la 80e. Donc un joueur des Taifa Stars de Tanzanie a été expulsé. Il s'agit de Dismas à la 70e minute. Voilà, donc les Lions de l'Atlas prennent donc une sérieuse option dans le groupe F, puisqu'avec cette victoire, ils sont premiers donc de leur poule pour l'instant avec 3 points. Voilà. Donc faites des commentaires s'il y a encore du monde sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, s'il vous plaît. Voilà, bravo donc aux Lions de l'Atlas, hein. Voilà. Donc, 3 points. Voilà, dans ce groupe F. Le match, donc, est terminé. Donc bravo encore hein, au Lion de l'Atlas. Franchement. Voilà. Des personnes disent déjà que la finale, ce sera Sénégal-Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire un petit sondage là. Donc, finale de la CAN, finale. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui ressort hein, sur les commentaires. Donc finale de la CAN, donc Sénégal-Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lancé donc un sondage sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Voilà. Tapotez l'écran, likez, commentez, s'il vous plaît. Merci à tous.